Bonjour à tous, je vais vous présenter cet appareil. Il s'agit d'un KW Pilote, donc qui est un appareil des années 30 et qui est équipé d'un objectif Xenar 50 mm ouvrant à 2,9. Donc pour mettre l'appareil en batterie, simplement il faut appuyer sur le petit bouton qui est là, donc qui fait sortir les deux objectifs ainsi que le viseur avec un dépoli. Le viseur avec un dépoli est équipé d'une petite loupe. Il y a également un second viseur juste ici. Le réglage de la vitesse, dont la vitesse maximale est 300. Il est équipé également de deux poses. Ouverture, fermeture du diaphragme. La particularité de cet appareil qui est vraiment bien fini. Vraiment bien fait, c'est que on a un objectif de visée qui est avec un tube et un objectif de prise de vue avec un soufflet. On fait le réglage de la distance comme ceci. L'avancement du film. Voilà. Avec un indicateur de pose qui est juste là. Et qui peut être mis à zéro en appuyant sur le petit bouton. On ouvre l'appareil. Donc on a le numéro de série qui est juste ici, qui apparemment correspondrait aux premières versions de l'appareil. Pour le refermer, il faut bien mettre à l'infini, sinon l'appareil ne rentre pas. On a le logo KW juste ici. Et voilà. À noter simplement qu'on a juste là un petit ergot pour pouvoir poser l'appareil.